Marc-Aurèle, comment on accueille cette égalisation tardive de Monaco? Ouais, c'est sûr, en menant au score comme on l'a fait aujourd'hui 1-0, bah, on est déçu à la fin parce qu'on tenait bon et puis on a craqué dans les dernières minutes du match. Après, on peut dire aussi que c'est pas illogique vu ce que Monaco a proposé. Ils étaient beaucoup sur notre but en deuxième mi-temps. Après, c'est toujours frustrant, voilà, de gagner 1-0 et de se faire rejoindre comme ça là, à la 94e minute. Comment tu expliques, toi, de ta position cette seconde période? Est-ce que c'est Monaco qui a mis une pression irrésistible sur votre but ou vous aussi qui avez eu du mal à desserrer cette pression-là en sortant mieux les ballons, par exemple? Ouais, bah voilà, après, ils usaient surtout à la fin du match de beaucoup de longs ballons. Ils ont même fait monter Glik sur la fin de match. Après, oui, on était peut-être un peu plus émoussé aussi physiquement avec l'accumulation des matchs depuis la finale. On arrivait moins à garder le ballon, surtout quand on l'a récupéré. C'est aussi ça qui nous a peut-être mis un peu en porte-à-faux sur la fin de match. Et puis après, voilà, on a essayé de résister jusqu'au bout. Ça n'a pas réussi ce soir, mais il faudra quand même garder cet esprit de combattant pour les derniers matchs à venir. C'est une clé aussi parce qu'on vous a vu faire un très grand match en finale avec une belle attitude, et de passer un peu à côté à Montpellier. Là, vous faites un vrai grand match. Comment garder ce fil-là pour ne pas être irrégulier? Oui, c'est sûr. Cette saison, ben, on a été régulier sur certains matchs, comme avec le match de Toulouse aussi. Après, on avait su bien réagir la semaine d'après contre Dijon. Après, là, peut-être qu'aussi cette semaine, avec la défaite en finale, ça nous a mis quand même un petit coup derrière la tête parce qu'on voulait la gagner, mais voilà, on l'a perdue au tir au but. On était très déçus à la fin. Après, on a pu voir Strasbourg qu'eux l'ont gagné. Et le match d'après, bah, ils jouaient chez eux en plus. Donc, ils ont mis 4-0 à Reims. Nous, ça a été compliqué à Montpellier. Mais on a su quand même bien réagir ce soir parce qu'on a affronté une grosse équipe de Monaco avec tous les joueurs qu'ils ont repris. C'est sûr, on est déçus de repartir avec le match nul. Mais c'est un point, je pense, qui peut compter pour la fin de saison parce qu'on est toujours au contact des autres équipes. La semaine justement après la finale, comment ça a été digéré cet échec-là? Il y a eu le match entre les deux, mais... Ouais, bah après, on est reparti le lendemain de Lille, donc on est resté sur Lille le soir. Après, le dimanche, on a récupéré un peu en famille. Famille, c'est important dans ce moment-là parce qu'on a toujours une part de déception, mais ils sont là aussi pour nous soutenir. Donc après, on s'est vite remis dedans. On a eu le match de Montpellier, on est passé un peu au travers. Moins qu'à Toulouse, mais on est quand même passé au travers. Et puis là, après ce match-là, bah, on sait qu'on avait 8 matchs à jouer, dont celui-ci ce soir. Donc il va falloir rien lâcher jusqu'au bout. Deux dernières questions sur le match, déjà sur le but à la fin. C'est terrible pour toi, parce qu'il y a deux contre-favorables face à une action un peu moisie et ça passe. Comment tu la vis, cette action? Oui, c'est sûr, c'est encore un long ballon de l'équipe de Monaco. Après, je n'ai pas revu le but, je ne sais pas si je peux sortir ou pas avant. Je n'ai pas revu le but. Après, c'est un cafouillage, oui, avec les défenseurs. Ça tape le ballon, ça revient dans les pieds et puis il frappe à bout portant. Ça passe entre mes jambes. C'est comme ça, il va falloir travailler encore plus pour trouver et faire le déclic pour les prochains matchs. Dernière question plus positive sur la double parade que tu fais juste après le but, je crois, en première période, surtout la deuxième parce qu'il a fallu se relever très vite. Est-ce que c'est un de tes plus beaux arrêts depuis que tu es là? Ouais, sans doute, oui. Après, le plus important, comme tu l'as dit, c'était de se relever vite après la première frappe parce que je savais que je l'avais repoussée et qu'elle était repartie dans les pieds de Vinicius, il me semble. Et puis, voilà, il fallait se relever vite après pour pouvoir réagir pour le second ballon, chose que j'ai fait. Après, voilà, on travaille tous les jours aussi à l'entraînement pour faire ce type d'arrêt, donc faut continuer et ça va payer pour les prochains matchs. Donc, je le souhaite. Merci. Salut. Alex. Alex.